Originally from a famous racing family in the southwest of France, Nicolas de Vatrigan was born in 1981 at Ara de Mandor, hence the name of his bloodstock agency, which was created in 2007 following years of international experience. Nicolas de Vatrigan started out at Ara de Meseret and Fresnay-le-Buffard before travelling to England to work with Shadwell and Luca Kamani. He then spent time in the USA, Australia and New Zealand, where he gained more experience at Lane's End, Coolmore Stud, Arrowfield, Windsor Park, Waikato Stud, and took part in the Magic Million sales on the Gold Coast. Over the years, the young bloodstock agent began to gain the trust of many well-known international owners. Among them is Mrs. Choi, for whom he purchased Sea of Grace, a daughter of Born to Sea who won a Group 3 on the Curragh as a juvenile. The Curragh, and of course Sheikh Johan Al Thani, in whose colours Mushawish won a Group 1 in the USA in early 2016. Mushawish is closing on the outside. Mexicoma's fourth. A lot of work to do for Keen Ice. And on the far outside, it's a knockout trying to get going late. Mushawish has taken the lead as they come into the final 16th. And it is Mushawish coming to the wire, the winner of the Don Handicap. Incidentally, it was for Al-Shikab Racing that Nicolas de Vatrigan purchased a top-class trio of three-year-olds in the first half of the 2016 season. Mechtel, the impressive winner of the Group 2 Prix Hocart at Deauville. Sur le numéro 6, The You Way You Wish, qui maintenant est à distance, avec Dalgarno également, qui tente de se rapprocher devant Barwood ou encore Royal Julius. La cause est entendue pour Mechtel, le numéro 1, qui fait une démonstration pour enlever le Prix Hocart. Hesham, successful in the Group 2 Prix Eugene Adam, over a mile and a quarter on the straight at Maison Lafitte. And of course, the champion filly Kema, also purchased at Deauville. This daughter of Dane Hill Dancer won the Coronation Stakes in front of Her Majesty the Queen at Royal Ascot, before defeating her rivals in another Group 1, the Prix Rothschild at Deauville. Kemalo struck the front deep inside the last furlong, a stretch to a couple of lengths clear. Nemeralia is still finishing off, but Kema is not for catching, streaking away, and Kema wins the Coronation Stakes for Al-Shikab. Nicolas, je ne connais pas depuis très longtemps. Premier achat qu'il a fait à la maison, c'est Fatih Alker, premier partant, premier gagnant pour Cheikh Johan. Et depuis, je touche du bois, je voudrais que ça continue sur la même lancée. Parce qu'après, il m'a acheté Kema, n'en parlons pas, on connaît tous son histoire. Et Royal Julius, qui était un bon 3 ans dans début d'année. On fait bon ménage, comme on dit. Non seulement nous vivons assez près l'un de l'autre, dans ce beau sud-ouest, mais bon, on a... Il est venu en stage chez moi quand il était plus jeune. Bon, on accroche bien, c'est un très bon professionnel pour moi. Il fait ce qu'il a à faire très consciencieusement. Les résultats sont là. J'ai vraiment apprécié son soutien dès le début. Quand on s'installe entraîneur et qu'on a des gens qui vous font confiance, c'est important. Et on a eu la chance de commencer avec un cheval très sympa qui s'appelait Almutana, qu'on avait placé de groupe ici à Deauville pour sa deuxième sortie, et ça c'était très sympa. In England, you see, we say a gentleman. He's been very good to me. He bought Olympic Glory and Tornado, and for my career, without Olympic Glory and Tornado, I probably wouldn't be where I am. They would have been sold and gone elsewhere, and Nicolas enabled them to stay with me, which was great. They both went on and won, I think, 3 Group Ones, and he's done a very good job. He's been instrumental in my success. Nicolas, c'est un garçon qu'on connaît depuis longtemps dans le Sud-Ouest, qu'on a vu grandir et se perfectionner chez certains de ses confrères maintenant. Déjà, c'est quelqu'un qui travaille très en amont les ventes, donc il est vraiment professionnel dans son approche des ventes. Il laisse rien au hasard, vraiment un très bon œil, je trouve. C'est pas quelqu'un qui surpaye les chevaux. Il achète des chevaux de course, il se fait pas bluffer par le maquillage des ventes. Et ensuite, une fois que les chevaux sont à l'entraînement, il laisse carte blanche aux entraîneurs, il fait une totale confiance. Il commence à avoir un œil certain, parce que j'ai personnellement la chance d'avoir entraîné et d'avoir encore. J'ai entraîné Ami Aria qui m'a confié pour Al-Shakab, on a gagné groupe. Cette année, on a Al-Jazi qui gagne le même groupe. C'est mes deux premiers groupes en Angleterre, c'était un vrai bonheur à chaque fois de gagner à Goodwood et c'est un peu grâce à lui. L'important dans ce métier, c'est que autant les entraîneurs que les agents, que tout le monde, on fait tous des bêtises. Hein. C'est toujours la remise en question de soi-même. Je pense qu'il fait partie de ces gens-là. Et je souhaite que ça dure. Et en plus, c'est quelqu'un d'assez sympathique avec qui on peut parler normalement. Donc ça me convient très bien. Oh, top class, yeah. Extremely trustworthy and
a nice chap and a nice wife. It's always a good sign. Yeah, he's a good friend of mine and I love working with him.